Eh bien, enfin un nouveau visage à Blackwater. J'ai l'impression que ça fait un moment que tu n'as pas vu une nouvelle tête. En effet, commence par aller voir les Boras. C'est notre régisseur, en quelque sorte. N'y réfléchis pas trop, va juste lui parler. Pourquoi ? Il demande que tous les étrangers qui arrivent à Blackwater viennent lui parler. Allez, va lui parler. Que peux-tu me dire sur ce trou ? Va d'abord parler à les Boras. Tous les étrangers doivent lui parler. Vends-moi de l'eau, au moins. Désolé. Aucun échange n'est autorisé sans la permission de les Boras. Voici les œufs. Satisfait ? Ce n'est pas pour moi que vous le faites. C'est pour le bien de Blackwater. Et vous venez de prouver, mon ami, que vous veillez vous aussi aux meilleurs intérêts de ce lieu. Salutations. Pouvons-nous parler maintenant ? Nous pouvons parler. Que voulez-vous savoir ? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Il y a déjà bien longtemps que je vis à Blackwater. Ce lieu m'a fasciné dès que je l'ai découvert. C'est ici que j'ai trouvé la paix, et que j'ai pu oublier mon passé. Les cauchemars ont cessé, et j'ai immédiatement su que je devais rester ici. Que vous est-il arrivé autrefois ? C'est une longue histoire. J'étais un paladin autrefois. J'ai livré de nombreuses batailles, et je le regrette profondément. Désormais, je m'emploie à faire le bien, et Blackwater a besoin de mon aide. Des paladins ont massacré ma famille. Que pouvez-vous me dire sur eux ? Vous savez ce que je veux dire dans ce cas. Le zèle et l'intolérance des paladins ne cessent d'empirer. Robard les mène dans la mauvaise direction. Je suis navré pour ce qui est arrivé à votre famille. En quoi est-ce que Blackwater a besoin de votre aide ? Je me sens obligé d'aider ces pauvres gens. Ils acceptent la vie pour ce qu'elle est, sans morale ou esprit communautaire. Je fais de mon mieux pour préserver l'ordre et la sécurité. Même si certains ont du mal à comprendre pourquoi, les habitants de cette région ont parfois la tête dure. Que faites-vous si quelqu'un refuse d'apprendre ? Cette personne doit partir. Une pomme pourrie suffit à gâter tout le panier, et croyez-moi, je sais reconnaître une pomme pourrie. Je mets chaque personne à l'épreuve, en particulier les étrangers. Et que faites-vous si quelqu'un refuse de partir volontairement ? Oh, je déteste la violence. La violence était autrefois l'essence même de ma vie, au point de me rendre aveugle. Mais lorsque je suis submergé par mon juste courroux, malheur à celui sur qui il s'abat. Je ne tolérerai ni immoralité, ni malveillance à Blackwater. Sachez-le. Alors que pensez-vous des mages ? Ils n'apprécient pas ce que je fais pour Blackwater. Ils devraient me parler, mais ils m'ignorent. Je pourrais faire beaucoup pour eux et leur arbre. Je leur apporterai mon soutien et ma protection. Hey, mon mignon, tu t'intéresses aux potions ? Est-ce que tu y connais quelque chose ? C'est pas ma spécialité. Mais avant de t'enseigner quoi que ce soit, j'aurais besoin que tu me rendes un petit service. Rien n'est gratuit, après tout. De quoi est-ce que tu as besoin ? Mes articulations me font encore mal. C'est à cause de l'humidité et de ces foutus marécages.
Je connais la recette d'un onguent qui pourrait me soulager, mais j'ai besoin d'une douzaine de toiles d'araignée fouisseuses pour le préparer. Apporte-moi les toiles d'araignée et je t'apprendrai à préparer une ou deux potions utiles. Je serais ravi de t'aider en échange de quelques recettes. Où puis-je trouver ces araignées fouisseuses ? Elles vivent sur les berges des étangs et des bourbiers. Elles sont dangereuses ? Non, mon mignon. Ce sont de toutes petites araignées. Par contre, elles tissent de très grandes toiles. J'ouvrirai l'œil. Si je trouve des toiles d'araignées, je te les rapporterai. Tu m'as apporté les toiles d'araignée ? J'ai les toiles d'araignée. Tiens, prends-les. Excellent. J'en aurai bientôt fini avec ces douleurs. Tiens, voici les recettes que je t'ai promises. Que penses-tu de l'éboras ? Exactement ce dont Blackwater a besoin. Il est juste, volontaire et tenace. Il apporte l'ordre, la paix et la sécurité. Il nous apporte l'ordre, la paix et la sécurité et veille à notre bien-être. Par exemple, il vient de m'apporter une demi-douzaine d'œufs de fouisseurs pour que je me prépare une énorme omelette. Des œufs de fouisseurs. Quel courage. J'ai l'impression que tout le monde au village tient les Boras en grande estime. Ah, pas tout le monde, non. Boran, Shex et quelques autres l'apprécient pas. En tout cas, moi j'espère qu'il restera encore longtemps avec nous. Que penses-tu des mages ? Bah, des types arrogants, si tu veux mon avis. Seul Vultus vient boire un verre d'hydromel avec nous à l'occasion. Oh, et Gilana est passée ici l'autre jour. J'arrivais pas à y croire. Que voulait Gilana ? Hautaine, comme toujours. Elle cherchait un chapeau de paille, mais je pouvais rien pour elle. Comment je pourrais savoir où elle a oublié son bête chapeau ? Que peux-tu me dire sur Shex ? Il travaille pour Boran. Il vient rarement par ici et passe la plupart de son temps dans sa cabane au milieu des marécages. Inos seul sait ce qu'il fait là-bas. Où est la cabane de Shex ? Au sud-est d'ici, dans les profondeurs du marais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Boran ? C'est un filou qui vend et achète tout ce qu'il trouve. Les Boras interdit la contrebande d'alcool et d'herbe des marais. Mais jusqu'à présent, il n'a pas réussi à épingler Boran. Un aventurier, un compagnon à mon image, bienvenue. C'est à moi que tu parles ? Ouais, écoute, je suis venu ici avant la guerre pour trouver un artefact légendaire. Et tu l'as trouvé ? Non, je n'ai trouvé que la fièvre des marécages. Ça fait des semaines que je suis alité, mais j'ai vraiment besoin de cet artefact. Ah, de quoi s'agit-il ? D'un calice légendaire. Il compléterait parfaitement ma collection. Qu'est-ce que tu me proposes si je te ramène ce calice ? Je t'apprendrai à façonner une amulette très utile. C'est quelque chose que tu sais faire ? Il y a des années de ça, un forgeron à Corinis m'a enseigné la technique. Alors, que peux-tu me dire à propos de ce calice ?
Le célèbre mage Vatras l'a trouvé lors de l'une de ses expéditions. Il a appelé le calice d'eau et a ordonné à son apprenti de l'apporter à Tushu pour que les mages l'étudient plus en détail. Et qu'est-il arrivé au calice ? Il a été perdu. L'apprenti de Vatras n'est jamais arrivé à Tushu. Je voulais suivre sa piste, mais la fièvre... J'ai déjà trouvé un calice. C'est celui auquel tu pensais ? Je n'arrive pas à le croire. Le légendaire calice d'eau accepte ceci en signe de ma reconnaissance. Félicitations! Un étranger? Ici? Un étranger? Ici ? Un novice. Un étranger, ici?
Je dois voir Mère Darion. Le grand maître Mère Darion se trouve actuellement dans le sanctuaire. Comment puis-je me rendre au sanctuaire? Vous ne pouvez pas. Vous êtes un étranger. Seul un membre de la fraternité de Toussou est autorisé à franchir cette porte. Celle avec les runes illuminées? Celle-là même. Quand est-ce que Mère Darion va ressortir? Cela, seul le grand maître le sait. Eh bien, comment puis-je devenir un membre de la fraternité dans ce cas? Gilana, la gardienne des racines, décide de ce à qui revient cet honneur. Ne touchez à rien! Ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne suis pas assez stupide pour toucher aux instruments d'un mage. Enfin quelqu'un d'intelligent. Laissez-moi deviner. C'est la sorcière qui vous envoie? C'est Gilana qui m'envoie. Je dois vous informer qu'elle compte vous exiler dans les marécages à la prochaine explosion. Pas d'inquiétude. Mon expérience est terminée. Quoi? Ma mission est terminée? Pas de service, pas de combat? Parfait! Dans ce cas, je m'en vais voir le grand maître Mère Darion. Mère Darion? Gilana ne vous l'autorisera pas. Elle va simplement vous extorquer un service après l'autre. Ne vous leurrez pas. Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas? Je peux vous aider à devenir membre de Toussou, avec la tenue et tout le reste. Mais j'ai besoin de quelque chose en retour. D'un paiement, pour être franc. Intéressé? De quoi avez-vous besoin? D'un chapeau de paille. Les orques m'ont devancé. J'en ai besoin, à tout prix. Un chapeau? Vous essayez de me faire perdre mon temps? Vous vous attendiez à quoi? Une princesse? Si l'or ne vous intéresse pas, je trouverai un autre tocard. Vous savez vraiment comment rendre un accord irrésistible. Vous avez besoin de moi. La sorcière ne vous laissera pas avoir Mère Darion. Je vous aiderai. Je vous ramènerai votre chapeau de paille. Où est-il? Dans des petites ruines. Des orques bannis y ont établi leur campement. Dirigez-vous vers le pont au sud, puis suivez les torches vers le sud-ouest. Pourquoi ce chapeau de paille est-il si important pour vous? Oh, vous verrez. Vultus ne vous dérangera plus. Moi ?
De toute façon, ça fait un moment qu'il est étrangement silencieux. Je subodore quelque chose. Est-ce que vous allez me laisser voir Mère Darion maintenant ? Non. Seuls les membres de la fraternité de Touchou sont autorisés à parler au grand maître. Vous m'avez berné ! Non. Mais il est en mon pouvoir de vous introduire dans notre cercle, lorsque vous aurez prouvé que vous en êtes digne. Que voulez-vous de moi ? Quelqu'un réalisait des expériences sur les Saurinides dans les marécages. Un Saurinide est parvenu à s'échapper avec son collier magique. Cela pourrait discréditer son propriétaire. Je comprends. Je dois donc discrètement éliminer le Saurinide et détruire le collier. Pas tout à fait. Peu importe ce qu'il adviendra de l'animal. En revanche, rapportez-moi le collier. Je vous récompenserai dignement. Je suis déjà allé dans cette grotte. Le Saurinide est mort. Et le collier ? Vous l'avez ? Tenez. Splendide ! Tenez, voici votre récompense. Et pas un mot. Je vous ramène ce collier étrange. Maintenant, laissez-moi voir Mère Darion. Pas si vite. Vous allez d'abord m'aider à chasser Vultus pour de bon. Vous voulez que je le tabasse un peu ? Quelle vulgarité ! Non. Vous allez vous rendre parmi les vestiges situés au sud des marécages et découvrir comment fonctionne vraiment l'hôtel des éléments. Et pourquoi ferais-je ça ? S'il tombe suffisamment de pluie, la crypte dans laquelle travaille Vultus sera inondée une fois pour toutes, et la paix reviendra à Touchou. Quoi de neuf ? Regardez ça ! Ce type est vraiment important.